Ces jeunes, au nombre de 130, sont en train de réaliser des travaux de pavage sur cet axe situé devant l'hôpital de Kaolack. Recrutés et formés par le programme de modernisation des villes Promoville dans le cadre du programme Khayundaouni, ils sont actuellement, comme convenu, en insertion. L'occasion de mettre en pratique les connaissances acquises. Nous sommes des soutiens de famille, nous sommes des utilisés. Nous avons des choses que nous avons faites, nous avons des choses, nous avons des choses, et surtout ça, parce que les gens qui ont des choses, ils ont des choses, ils ont des choses, ils ont des choses. Durant ces 15 jours, nous avons gagné pas mal d'argent. Cette insertion, ça correspond à notre attente, parce qu'avant, nous n'avons pas cette possibilité de travailler en plus de gagner quelque chose en 15 jours. Rien d'avis. Ça nous a permis, nous les jeunes, d'avoir une source de revenus, de gagner un peu plus, d'avoir un métier. L'activité de ces jeunes est bénéfique à plus d'un titre. Primo, Promoville leur a donné un métier. Ensuite, les réalisations de ces jeunes impactent directement le cadre de vie des habitants de la commune. Les passants remarquent déjà des changements sur cette route régulièrement empruntée. Le projet spécial de pavage du programme Khayundaouni, qui est en train d'être mis en œuvre, a déjà permis l'insertion de 280 jeunes à Kaolack. En plus de ces 130 nouvellement insérés, 170 autres jeunes vont encore être formés et insérés. Au total, la commune de Kaolack va capitaliser 400 jeunes insérés par le Promoville et une surface totale de plus de 50 000 m² pavés dans le cadre de Khayundaouni. Ce jeune homme du nom de Cheikh Diop fait partie de la première cohorte des jeunes bénéficiaires à Kaolack. Recruté déjà par l'emprise, il fait partie aujourd'hui de l'équipe qui assure l'insertion de cette troisième cohorte. C'est mon travail. Parce que j'ai sa compétence, j'ai sa détermination, j'ai sa engagement. C'est ce que j'ai fait pour moi. C'est que quand nous continuons à travailler, moi avec toi. Après, le contestant, quand vous savez qu'ils sont venus, vous êtes avec eux sur le terrain. Vous leur dites comment nous poser les pavés, comment nous dresser et comment nous organiser leur CCNBIR. Les résultats du programme spécial de pavage Khayundaouni de Kaolack sont visibles sur différentes artères de la commune. Le site de la gendarmerie, le site des parcelles assainies et le site du lycée technique déjà pavé améliorent le cadre de vie des riverains.